Bonjour, je m'appelle Chris Combe et depuis 25 ans, je fabrique des aires de jeu. En 2005, donc il y a presque 20 ans, j'avais l'envie de faire ce type de jeu en water jump qui était l'idée de glisser sur un toboggan qui finissait par un tremplin pour atterrir dans l'eau, dans la neige, dans un airbag, dans une piscine à mousse, rapprocher de Laurent Delerys de façon à lui proposer que l'on fasse un partenariat où je suis à l'origine de l'idée, que je transmets à Excent pour la mise au point, l'étude technique et la fabrication du produit, et je m'occupe de la commercialisation. Du coup, voilà où en est le projet, le premier démonstrateur, un 5 mètres qui en a été un 7 mètres 50, avec trois types de toboggans, le zéro et puis deux tremplins un peu plus inclinés. Et je pense que c'est très bien parti, tout le monde est ravi. Et je tiens énormément à remercier Excent et l'engagement qu'il y a eu de la part d'Excent et de Philippe pour accorder la mise en place de ce prototype, de ce démonstrateur. En tant qu'industriel, on s'est attaché à ce que les gens soient en sécurité, on s'est attaché aux normes existantes. Et du coup, pour valider tout ça, on a fait un prototype en bois et inox parce qu'on avait le projet de faire quelque chose d'éco-conçu. Et donc, on s'est aperçu que c'était ce qu'il y avait de mieux pour, dans notre analyse pour l'environnement. C'était ce qu'il y avait de plus durable et de moins impactant. Et aujourd'hui, on est tous très contents d'essayer le prototype et de se rendre compte que c'est très confortable. C'est vraiment ouvert à tout public, c'est très agréable. Donc voilà. Voilà un peu où est-ce qu'on en est, le parcours. Et il n'y a plus qu'à attaquer l'industrialisation.